Bonjour, bonjour dans une nouvelle leçon de poésie dont l'objectif est d'analyser et interpréter un poème engagé. Le poème s'intitule « Le déserteur » de Boris Vian. Après avoir étudié différentes œuvres engagées, dont je cite le tableau Guernica de Pablo Picasso, un extrait du roman de Roland Dorgelès « Retour du Franc » et la nouvelle Rhinocéros d'Eugène Ionesco, nous allons aborder le genre poétique. Toutes ces œuvres appartiennent à différents genres littéraires ou artistiques qui dénoncent, militent ou défendent une cause ou une idée. Nombreuses sont les œuvres qui abordent le sujet de la guerre dans l'intention de dévoiler son atrocité et ses horreurs, mobiliser les esprits contre elle pour donner naissance à une révolte qui pourrait changer la réalité du monde belliqueux. Je vous invite donc à écouter ce poème chanson de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la paix. Pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher qu'il faut que je vous dise. Ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères, j'ai pleuré mes enfants. Ma mère a tant souffert, que l'aide dans sa tombe, et se moque des bombes, et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Après cette vidéo, je vous propose des questions d'analyse dans un document Word que vous trouverez sur ENN et qui vous permettront de rédiger une synthèse. À bientôt.